Fin de semaine spéciale pour Jean Mickey. Le jeune homme est né entre 1976 et 1979. Il appartient de facto à la catégorie blessoué Jéhu. La trentaine donc bien entamée. Nous sommes en pays Achan. Comme lui, une cinquantaine de jeunes blessués Jéhu, des jeunes du village d'Akwedo, s'apprêtent à entrer dans le cercle de ceux qui prennent la parole en public et participent aux prises de décision. Ça fait pratiquement 5 ans que nous étions dans le bois sacré en train de nous préparer. Et aujourd'hui, c'est la consécration. Le corps enduit de kaolin, ces jeunes, encouragés par les chants des femmes de la génération, entament la marche initiatique vers la place du village. Et pour Moncé Béranger, le taprognant ou le guerrier, cette marche est jalonnée de danse et d'arrêt. Seuls les initiés et ses camarades de catégorie peuvent murmurer à son oreille. Notons que les blessués Jéhu sont la catégorie aînée de la génération blessué. Dans une génération, il y a 4 catégories, mais en pays Achan existent 4 générations. Les Dougbo, actuellement au pouvoir, les Tchagba, qui sont les opposants, les blessué et les Nyando. Un mécanisme bien huilé et un passage obligé pour tout Achan. La fête de génération retrace le parcours identitaire du peuple Achan. Tous ceux qui n'ont pas pu faire ce rituel sont considérés comme des parias de la société. Étape importante, la validation par les sages et anciens de l'initiation des blessués Jéhu, suivie une semaine plus tard de la sortie du petit guerrier. Une façon de préparer la prise du pouvoir de la génération blessuée qui aura lieu dans une quinzaine d'années.